Bienvenue à tous à cette première table ronde de l'AGRH 2017 autour de la thématique « En quoi la digitalisation de l'entreprise présente-t-elle des opportunités, voire des menaces ?» Nous avons souhaité, avec tout le comité d'organisation que vous avez connu ce matin, réaliser une table ronde plutôt sous forme de débat. Et puis on s'est dit avec ma collègue Delphine Lacasse, donc, qui s'est présentée ce matin, moi-même je suis Carolina Serrano, toutes les deux nous sommes de l'IAE d'Aix-en-Provence, donc une des quatre composantes organisatrices de l'AGRH. On s'est dit que ce serait une bonne idée de vous proposer un format type « C'est dans l'air hein, ». La majorité d'entre vous doivent connaître « C'est dans l'air ». Alors moi je ne suis pas journaliste, donc je ne ferai pas aussi bien. Cependant, on s'est dit que ce serait intéressant que plutôt que d'avoir un panel aussi beau d'intervenants experts sur cette problématique et les laisser parler sans, si vous voulez, sans structurer leurs réponses par des questions, on s'est plutôt dit qu'on voulait utiliser vos questionnements à vous. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est à envoyer par SMS les questions que vous avez à tout moment, d'accord, sur cette thématique, par rapport à ce que disent nos intervenants experts, ou tout simplement des questions que vous avez sur cette problématique vous concernant. Delphine va les accueillir, d'accord. Il y aura peut-être un petit filtre, hein, donc si vous ne voyez pas votre question apparaître, hein, laissez-nous le bénéfice du doute sur le choix que l'on a pu faire pour vraiment être bien dans la thématique. Et moi, mon rôle, ce sera d'accueillir vos questions et d'inviter notre panel à y répondre. Nous avons, afin de ne pas passer trop de temps dans les présentations, donné à chacun d'entre vous un document qui était dans la petite sacoche et qui présente les quatre intervenants en détail. D'accord, dans la deuxième page. Donc n'hésitez pas à le prendre, puisque je vais un peu amputer ce moment-là que les gens aiment bien d'habitude, qui est de se présenter dans le détail. Je vais d'ailleurs même les présenter moi-même, d'accord, pour pouvoir avoir un certain contrôle, pas seulement sur ce qui est dit, ça je ne fais aucun doute que ce serait la vérité, mais surtout sur le temps que ça prend pour le tout. Par rapport à ça, donc la table ronde va durer 1h15. Comme on est un peu en retard, essayez de discuter, de négocier avec votre estomac, hein, pour lui dire qu'il tienne le coup jusqu'à ce qu'on finisse la table ronde. Si on voyait au bout d'une heure qu'il n'y a plus de questions qui sont posées, on pourrait tout à fait arrêter. Hein. Sinon, nous avons environ une vingtaine de minutes de retard par rapport au planning prévu. Tu oublies quelque chose, Delphine? Donc, je vais vous présenter le panel d'intervenants experts. De gauche à droite, donc à ma gauche, Walter Bates. Donc Walter Bates est dean de The Camp. Donc The Camp, qui est un nouveau campus technologique qui a ouvert ses portes le 28 septembre 2017 à Aix-en-Provence, dont on est très fiers, hein, dans le territoire. Et donc lui, c'est le dean de ce campus qui va accueillir ce qu'on appelle des campeurs. Et autour de tout ce qui est l'innovation sociale et tout ce qui sont les nouvelles technologies autour de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle et tout ce qui pourrait rendre le monde meilleur autour d'innovations qu'on ne peut pas encore imaginer maintenant. C'est vraiment un écosystème qui va donner les moyens à ces campeurs qui seront accueillis dans le camp pour répondre à ça. Walter lui-même, et en fait, il est invité comme professionnel, mais c'est également un académique.
D'ailleurs, il a soutenu sa HDR à l'IAEDEX, hein, je me souviens avoir assisté. Et il est l'auteur de quelques ouvrages aussi sur la complexité dans les organisations. Ensuite, on continue avec Anne-Marie Chopinet. Anne-Marie Chopinet, qui est Change Manager chez Gemalto. D'accord, donc Gemalto, c'est la société au bagne de protection, de vérification et de gestion des identités et des interactions numériques. D'accord. Et elle traite tout ce qui est la transformation individuelle dans le cadre de la transformation numérique de l'entreprise. Je crois que Gemalto a beaucoup d'expérience autour de la digitalisation de son business et beaucoup de choses à dire et à apprendre de ça. On continue ensuite avec Patrick Dumoulin. Patrick Dumoulin qui dirige The Great Place to Work, d'accord, en France. Et il a une grande expérience à travailler avec les entreprises de par son expérience précédente dans l'Institut des meilleures pratiques professionnelles. Et il va nous parler également du palmarès des best workplaces et en quoi la digitalisation dans les entreprises soutient ou non le fait d'être une entreprise où il fait bon travailler. Et puis Frédéric Fouquet, enfin, notre quatrième intervenant, directeur de Cross Knowledge, donc qui est cette société de e-learning et qui propose à travers une plateforme l'accès à l'apprentissage pour des participants qui sont en entreprise, en école ou ailleurs, à la formation qu'on appelle soit la formation sociale, la formation mobile, mais tout ça à distance. Donc merci beaucoup. Je vais faire une petite introduction, hein, ça se passe comme ça, une toute petite introduction. Nous avons reçu l'autre jour quelqu'un de la French Tech et qui nous a affirmé qu'aujourd'hui, le digital ou le numérique suppose environ 800 milliards d'euros de business et que d'ici 2030, ça supposera 3000 milliards. Donc on voit tout de suite l'intérêt ou la possibilité de croissance économique que le digital offre. Et puis, on voit très très bien les opportunités que cela peut amener hein, en termes d'entrepreneuriat, la possibilité de créer de nouveaux emplois, comme les codeurs par exemple, la possibilité de développer le télétravail hein, à travers la digitalisation, toutes les plateformes qui permettent de développer le travail indépendant, puisqu'il y a un accès facile sur Internet pour pouvoir vendre ses propres produits. La possibilité de créer des nouveaux business, comme l'exemple de GoJob.com, où ce sont des auto-entrepreneurs hein, qui font vivre cette société. La possibilité de connecter des gens hein, qui sont indépendants, de connecter des cerveaux, pour ainsi dire. Hein. Fred nous parlera de ça, tous ensemble, par des communautés de pratique. Anne-Marie également nous parlera de communautés de pratique entre femmes chez Gemalto. La démocratisation du savoir. Les équipes virtuelles et la facilité que la digitalisation amène aux équipes virtuelles à l'international, etc. Cependant, on identifie aussi assez rapidement un certain nombre de menaces que l'on n'arrive pas encore tout à fait à bien qualifier ou à bien quantifier, comme par exemple les exclus de la digitalisation, hein, quid des seniors, enfin ils ne sont pas tous anti-digitalisation, mais c'est probablement plus difficile. Les illettrés, hein, tout le personnel que l'on peut avoir illettré, l'imbrication en vie privée et vie professionnelle, où se situe maintenant la frontière, s'il y en a une, la qualité de service, qui a tendance à diminuer, maintenant que l'utilisateur, chacun d'entre nous, doit imprimer, télécharger soi-même tout ce qui concerne les services auxquels on fait appel, l'ubérisation du travail, qui peut avoir tendance à réduire la qualité des conditions de travail, et puis toute la perte d'attention qu'on peut avoir avec ce zapping qui n'en arrête pas, prenons Twitter comme exemple. Hein. Donc je vais là arrêter avec cette introduction et je vais vous demander une question très simple. En quoi, à quatre personnes, en quoi la digitalisation en entreprise amène-t-elle du mieux-être au travail ou au contraire du mal-être? Ouais. Il y a déjà allumé, merci. Très bonjour, pour commencer.
Moi, évidemment, je vais vous dire que c'est que du bien-être, qu'est-ce que tu attends. Moi, je vois deux, trois grandes tendances, et on arrive à les réaliser ou pas. C'est un, grâce aux technologies, on pourrait enfin commencer à s'organiser légèrement différent, qu'on ne soit pas tous enfermés dans des boîtes, si vous voulez, où on arrive le matin, on sort le soir. Et effectivement, flexibiliser le travail, et surtout le travail à distance. Donc aussi la possibilité plus facile d'internationalisation. Je dois avouer que la pratique est loin de là, hein, parce qu'on est toujours, on arrive toujours le matin, on sort le soir, pas mal de plateformes de communication qui ne fonctionnent pas, etc. Mais ça, pour moi, c'est un grand avantage et qui a la possibilité d'augmenter le bien-être au travail. Deux, c'est tout ce qui se tourne autour de la flexibilité d'apprentissage, de connaissances, d'échanges. Moi, je suis un fanatique de l'intelligence artificielle. Si aujourd'hui on travaille à créer des machines sémantiques qui vous permettent à chaque moment qu'il vous faut quelque chose, que vous dites, voilà, maintenant il faut quand même que j'apprenne ce que c'est un blockchain, puisque tout le monde en parle et je ne comprends rien. Vous demandez à un système, moi je vais apprendre sur le blockchain, je vous pose deux, trois questions pour un peu savoir qui vous êtes, et je vous sors un cursus sur mesure. Ne rigole pas, je peux te le montrer. D'accord? Donc, je n'ai plus besoin de plateforme d'apprentissage. C'est phénoménal. Si tu as une entreprise, comme eux, par exemple, qui ont plein de content à eux, tu ouvres ce content à une machine pareille, enfin tu arrives à la gestion de connaissances. Tu ne dois pas réinventer le show chaque minute. Ah, donc qu'est-ce que tu en fais, hein? Et ça, c'est là que je m'arrête. C'est la responsabilité de nous tous de l'utiliser pour un but un peu positif. Et donc voir que la plupart des gens peuvent faire partie de cet environnement et que les ressources qui sont libérées, il y aura des ressources humaines seront libérés, qu'on les utilise pour des choses qu'on ne fait même pas du tout aujourd'hui. Voilà, ça c'est quelques tendances que je vois en général, où je crois que les technologies ont vraiment un potentiel à rendre le travail beaucoup plus intéressant et beaucoup plus dynamique. Ok. Anne-Marie, bonjour. Donc, moi je vais vous parler de l'expérience que l'on a de la digitalisation dans notre entreprise. On est une multinationale et on est présent donc dans de nombreux pays dans le monde. Et avant la digitalisation, on avait une problématique, c'est que lorsqu'on voulait travailler avec nos collègues en Asie ou nos collègues aux États-Unis, ben, il fallait travailler tôt, se lever tôt, se coucher tard. Et un des grands apports de la digitalisation, c'est en fait la possibilité de travailler en mode asynchrone. On peut en fait travailler effectivement depuis chez soi, bon c'est bien, mais là ça peut aussi poser des problèmes de flou entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais le fait de pouvoir poster sur une plateforme digitale, contribuer à un projet sur une plateforme digitale pendant ses heures de travail habituel, c'est extrêmement important et nos collègues aux États-Unis vont pouvoir reprendre le flambeau et recontribuer pendant leurs heures de travail, nos collègues asiatiques, pareil. Et ça, c'est un très très gros changement et ça nous apporte une grande flexibilité et une grande capacité à être rapide, agile sur nos projets sans manger notre sommeil. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a un autre aspect. C'est la digitalisation, et notamment avec tout ce qui est lunettes connectées et tout ce qui est donc intelligence augmentée, hein, va nous permettre en fait d'intervenir à distance sur des sites sans partir, prendre l'avion, faire des déplacements sans fin parce que en fait on arrive à Singapour, on a un problème technique dans une autre usine aux États-Unis et donc en fait on est des ce qu'on appelle chez nous des SDF des aéroports où on se balade en fait en permanence avec notre valise. Et donc en fait la digitalisation apporte du confort, même s'il y a d'autres risques, c'est qu'on est beaucoup plus traqué,
beaucoup plus fliquée, et ça, je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Absolument. Patrick. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis particulièrement heureux et fier d'être devant vous aujourd'hui parce que, en plus, j'étais un bon élève. Alors, donc, aujourd'hui, avoir autant de professeurs, ça me rend particulièrement heureux. J'ai assisté juste avant à différentes interventions liées à la qualité de vie au travail. Donc, j'ai dit aux personnes qui étaient intervenues que Wellplace Work, nous, on a des centaines, des milliers, des millions de données. Donc on intéresse beaucoup les enseignants et celles et ceux qui sont intéressés pour pouvoir exploiter des données. On en ouvre beaucoup aujourd'hui déjà des enseignants. On est toujours très heureux de les aider. Alors concernant votre question, je remettrai un tout petit peu en perspective par rapport à ce que vous avez évoqué au début. Vous avez fait un petit clin d'œil au senior, dont malheureusement, précocement, j'ai fait partie. Et donc, moi, j'ai vécu deux révolutions. J'ai vécu une révolution informatique. C'est-à-dire que j'ai travaillé il y a quelques années, pendant 20 ans, dans un grand groupe où je le valais bien. Et à une certaine époque, dans ce groupe, on découvrait finalement, il y a quelques années, que l'on mettait des disquettes dans des gros trucs et que ça s'appelait, c'était le début d'une révolution informatique. Quand je suis arrivé dans le groupe, les assistantes avaient des machines à écrire avec des boules et on archivait des tonnes de choses. On a l'impression que c'est la préhistoire, mais pour celles et ceux qui se rapprocheraient de mon âge, c'est hier. Quand on a fini cette révolution, ou quand on a entamé assez loin cette révolution informatique, on a eu cette révolution numérique. Donc cette fameuse digitalisation qui est arrivée. En fait, on se dit, mais quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé finalement quand on a commencé à avoir des téléphones portables, quand on a commencé à s'envoyer des messages. Et moi, je suis arrivé depuis 10 ans à la direction de Wellplace Work. Et finalement, ce que j'ai vu, c'est une accélération exponentielle. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? La première, c'est qu'il y a un bouleversement complet dans les organisations, et vous l'avez abordé aussi, dans l'organisation du travail. On ne le voit pas dans toutes les entreprises. Télétravail, flexitravail, organisation personnelle sont des impacts directement liés à la digitalisation et qui forcément vont aller en s'amplifiant. Dans les risques, il y a ce que vous n'y voyez pas de sens péjoratif, ce que j'ai appelé les laissés pour compte du numérique. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont beaucoup de mal à suivre cette évolution leur fait peur, et donc on se retrouve avec des centaines, des milliers, des millions de gens qui forcément sont sur le bas-côté. Donc pour un pays comme le nôtre, plus que jamais, l'aspect de la formation des individus aujourd'hui et encore plus demain est essentiel. Parce que la digitalisation crée des nouveaux emplois, parce que elle met beaucoup de pression, et ce n'est pas vous qui allez me démentir, sur le recrutement. Aujourd'hui, il y a une guerre des talents qui est exacerbée, et donc il y a des gens qui sont recherchés, et pas simplement les codeurs, il y a des gens qui sont très recherchés au profit, par rapport à d'autres profils qu'ils sont moins. Donc ça bouleverse aussi le recrutement. Par là même, ça bouleverse cette notion de fidélité à l'entreprise. Aujourd'hui, quand vous interrogez les salariés, ils travaillaient longtemps dans une entreprise, 3 ans, 5 ans pour des jeunes, et pour des moins jeunes, ils estiment aussi qu'il peut y avoir des perspectives ailleurs. Enfin, dans les difficultés, la vie professionnelle a tendance à se confondre avec la vie personnelle, et il y a aujourd'hui un grand phénomène qui s'est développé ces dernières années, qui s'appelle la nomophobie. La nomophobie qui consiste à ne pas savoir se détacher de son lien numérique. Quand j'interviens dans les écoles, souvent je demande aux gens, aux jeunes gens, qui couche, d'ailleurs on pourrait faire, tiens, qui laisse parmi vous son téléphone portable allumé à côté de son lit la nuit? Qui? Hein, voyez, hein, voilà, voilà. Donc vous êtes tous atteints, hein? Il y a quelques-uns. Et quand je pose la question, mais pourquoi vous laissez votre téléphone allumé? La première question, on me dit toujours la même chose.
c'est mon réveil. Écoutez, je leur dis, faites comme chez moi. Mon épouse m'a offert un gros réveil rond qui ne fait pas de bruit, avec une petite touche où, quand on appuie dessus, ça fait de la lumière, mais on voit l'heure. C'est pas vrai. Et le dernier point qui est important, on l'abordera sûrement aussi, c'est que finalement, par rapport à la protection des données personnelles, professionnelles, juste un chiffre, pour celles et ceux qui ont un compte Facebook, si vous cliquez, et c'est les gens de Facebook qui me l'ont dit, si vous likez 100 fois, on sait tout de vous et de votre vie. Donc finalement, est-ce qu'on ne va pas avoir des entreprises qui vont devenir aussi plus fortes que des États? Donc c'est sûrement des choses qu'on pourra voir. Merci beaucoup. Donc Frédéric. Alors bonjour, bonjour à tous. Donc nous, moi pour répondre à la question de Caroline, je vais répondre à cette question par rapport à ce que l'on fait chez Cross Knowledge, qui est d'accompagner la digitalisation des entreprises et des écoles sur un volet particulier qui est leur offre pédagogique ou leur offre de formation. Donc de réinventer à l'ère du digital quelle offre de formation, quelle offre de développement, quelle offre pédagogique, quel programme. Et alors pour répondre à votre question, Carolina, ce qu'on constate, nous, c'est que on pourrait dire de manière un petit peu binaire que le mieux-être du digital, on le voit beaucoup chez les utilisateurs, et le mal-être, ou en tout cas le questionnement, il est chez ceux qui doivent produire ces nouvelles offres de formation digitale, qu'elles soient en entreprise ou qu'elles soient dans les écoles et les universités. Pourquoi ? Parce que ceux qui produisent ces offres ne sont pas ceux de la génération Y ou milléniaux qui sont nés avec un sixième doigt qui effectivement s'appelle le smartphone. Le smartphone que le matin, j'ai deux autres statistiques, 30% des gens, avant de dire bonjour à leur compagnon ou à leur compagne, regardent leur smartphone. Et au bout d'une heure, 100% des gens ont regardé leur smartphone. Donc, il y a un côté un peu terrifiant là-dedans, mais il y a un côté aussi fantastique, parce qu'on dit qu'on en a un moyen pour former et rejoindre tout le monde. Et la question de la génération Y, la génération des milléniaux, c'est comment je fais aujourd'hui pour proposer des offres de formation, des programmes pédagogiques à des gens qui sont hyper connectés, hyper agiles, qui vont très vite, qui font plein de choses en même temps, et qui veulent que la réponse de la formation soit une réponse immédiate à leur demande, qui ne peuvent pas attendre 6 mois pour partir en formation ou 1 an pour terminer un programme, mais qui veulent une réponse immédiate, parce que la formation, c'est plus un événement, c'est un processus pour eux, et c'est tout le temps. Comment je fais pour adresser des gens qui, dans les écoles, on le sait aujourd'hui, où leur temps d'attention est à peu près de 6 minutes, grand maximum, pour une activité pédagogique. 6 minutes, c'est le temps moyen d'une vidéo sur YouTube, qui est devenu le standard du web. Et le web est devenu le principal média de ces générations. Donc comment je réinvente toute une expérience d'apprentissage autour de ça? Ça gagne aussi l'entreprise. Aujourd'hui, en entreprise, 90% de ce que les gens apprennent, ils l'apprennent en dehors des programmes de formation, des programmes RH. C'est ce qu'on appelle le informal learning. 70% on l'apprend on the job, 20% on l'apprend dans les échanges avec ses collègues, 10% on va l'apprendre dans une salle de classe ou dans un programme e-learning. Donc comment je fais pour réconcilier tout ça dans une expérience d'apprentissage qui fasse sens, ce qu'on appelle le user experience, le UX, pour les générations d'aujourd'hui. Et je crois que là, un des principaux défis aujourd'hui du digital dans les entreprises ou dans les écoles ou dans les universités se situe ici. D'ailleurs, Frédéric, tu parles du rôle de YouTube hein, dans la façon de façonner l'approche qu'on a à la pédagogie, par exemple, ou à l'apprentissage, de l'importance d'Internet comme étant le premier média auquel on s'adresse. Et la première question que nous avons donc de la salle et qu'on remercie, c'est, et je vais vous demander à tous les quatre une réponse vraiment droite au but, même si c'est pas facile, vous allez voir, c'est jusqu'où va aller la digitalisation dans la société? Jusqu'où va-t-elle aller? Anne-Marie, qu'est-ce que tu en penses? C'est vachement simple, moi je ne sais pas.
je crois que personne ne sait. C'est juste que c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est à nous de définir ce qu'on veut en faire. Vous voyez, moi ça ne me gêne pas trop que Google a tous mes données ou que ce soit un gouvernement qui a tous mes données. Je veux que personne ait mes données et tout le monde les a. C'est un choix, c'est un choix éthique. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème organisationnel. Donc sinon, je vais vous passer la parole à nouveau, mais je reste avec toi une seconde, Walter. Parce que par rapport au fait que tu dis ça dépend de nous et que ça ne te fait pas peur, il y a une question qui dit « La réalité augmentée est dangereuse pour l'homme en usage prolongé ». Donc là, ce n'est pas une question, hein, c'est quand même une affirmation. D'accord. Comment s'assurer que les managers ne vont pas en abuser? Par exemple, le cas de la commande vocale chez Lidl. Ben, on est tous des adultes. Hein. On n'est pas victime de la technologie. On fait le choix d'avoir notre, moi compris, mon téléphone à côté de moi. Hein. J'ai d'autres raisons que l'alarme. Mais c'est un choix. Si demain, je fais le choix de ne pas l'avoir, je ne l'ai pas. Donc je crois qu'il ne faut pas se mettre dans la position d'être victime de la technologie qui va à gauche et à droite, qui nous dépasse, ferme tes portes. Mais on ne fait pas, effectivement, tout le monde, dans l'heure, après qu'il soit debout, à regarder son téléphone. C'est un choix. Ce n'est pas la loi de la nature. Merci Walter. Anne-Marie, tu allais parler de jusqu'où allait la digitalisation dans la société ? Alors, dans la société, et peut-être aussi dans l'entreprise, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une coexistence entre plusieurs mondes, hein, des gens qui sont hyper connectés, hyper digitaux, et des gens qui sont complètement réfractaires, et puis ensuite, il y a toutes les nuances de gris entre les deux. Mais au niveau de l'entreprise, en particulier, hein, eh bien, en fait, à quoi ça sert? Quelle est la promesse de la digitalisation? La digitalisation, c'est apporter plus d'intelligence dans l'entreprise. De l'intelligence au niveau de tous les éléments de l'entreprise pour permettre, en fait, d'agir sur... on ne parle plus d'expérience client. Aujourd'hui, on parle d'accompagner le voyage que le client va faire avec nous. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc ça va nous permettre de mieux comprendre les attentes du client, d'anticiper tous les produits, de travailler sur l'innovation. Donc ça, c'est des parties qui peuvent être très positives. Ensuite, il y a la partie augmentation de la qualité, accélération des cadences. Et là, c'est peut-être la partie la plus délicate à gérer, hein, parce que eh bien, on va travailler effectivement avec des notions de réalité augmentée, des capteurs qui vont vérifier en temps réel ce que font nos opérateurs, du big data, parce qu'on va collecter des données dans tous les sens, pour permettre aux gens, aux managers de vérifier en fait la performance individuelle de chaque personne et éventuellement mettre certaines personnes sur le côté. Et ça, c'est la partie qui est terrifiante. Et si on n'a pas effectivement un cadre légal qui prend en compte tout ça, mais malheureusement, l'entreprise devant... délivrer de la valeur, eh bien, il y a un gros risque pour que des abus se fassent. Et d'ailleurs, je vais rester avec toi, Anne-Marie, parce qu'il y a une question à laquelle tu vas pouvoir contribuer. Il y a une question qui est comment définir une plateforme digitale? Et il y a un exemple, comment l'utiliser, par exemple, pour réduire les inégalités hommes-femmes dans l'entreprise? Alors ça, c'est une très très bonne question à laquelle je suis très très attachée. En fait, on s'est rendu compte que les femmes chez nous n'arrivaient pas à dépasser le plafond de verre et à niveau équivalent, elles ont même des titres différents. C'est-à-dire que moi, tous mes collègues sont des vice-présidents, moi je suis directrice. Voilà, donc c'est très clair, on a le job, on fait le boulot, malheureusement on n'a pas de titre, on n'a pas la fiche de paye non plus. Voilà. Donc, on en a marre, et il y a un certain nombre de réflexes qui sont malheureusement induits de par notre éducation en tant que femme, où bah, tant qu'on n'est pas sûr à 100% qu'on puisse réussir dans un poste, on ne va pas aller le chercher. On n'ose pas faire certains paris. Et donc, chez Jamalto, bah, on a décidé de travailler différemment. Alors, pourquoi on a décidé de travailler différemment ?
parce qu'en fait, on est obligé, on est en bourse et sur des plateformes internationales, et en fait, on est obligé d'avoir des femmes au board, donc femmes au board et femmes dans le top management. Et donc là, ben, on n'a pas le choix, il faut y aller. Alors, ça a été une vraie révolution au niveau des hommes, et on leur a dit, ben, pour y arriver, il faut nous aider. Et on a mis en place une plateforme qui s'appelle Yammer, entre autres. On a mis en place des tas de petites conférences aussi, qui, en fait, permettent de créer un réseau entre les femmes, de nous entraider, de mieux comprendre les processus qu'il y a dans l'entreprise, les différents métiers, et où est-ce qu'on pourrait apporter réellement de la valeur ajoutée. Et on s'entraide, on communique, et ça fait bouger les lignes. Et c'est très intéressant. Merci Anne-Marie. Donc moi, là, j'aimerais m'adresser à toi, Fred. Il y a une question qui concerne les travailleurs dyslexiques. Et donc, quid de ces travailleurs dyslexiques, donc par exemple, dans le cadre de la formation, quand vous faites le e-learning en entreprise, est-ce que tu as eu des entreprises qui t'ont dit, bon, comment les travailleurs dyslexiques peuvent-ils y accéder facilement par rapport aux réponses instantanées, pas le temps de corriger les fautes d'orthographe et tous ces aspects-là? Alors, je vais faire une réponse un peu élargie quand on ne sait pas répondre à la question directe de l'animatrice. Nous, ce qu'on croit, c'est que les inégalités, enfin, le digital permet de réduire les inégalités, pas seulement les inégalités hommes-femmes, mais les inégalités entre les gens qui ont accès au savoir et ceux qui n'ont pas accès au savoir. Quand on a commencé il y a 15 ans, on s'apercevait qu'en France, il y avait à peu près 10% ou 15% des gens qui partaient en formation une fois par an. Et c'était toujours les mêmes. Voilà. Et on s'est dit, mais si finalement le digital, ça permettait d'adresser les 80 ou 85% des gens ils ne vont jamais en formation parce qu'il n'y a pas de budget, parce qu'on ne pense pas à eux, ou parce qu'ils ont aussi des difficultés ou des handicaps qui fait qu'ils n'ont pas accès. Et en fait, c'est ça qu'on a fait. Et on s'aperçoit qu'effectivement, pour vous donner accès à des gens qui ont été un peu rebutés par l'école, qui ont eu des expériences pas super effectivement pendant leurs études, qui sont un peu laissés pour compte dans l'entreprise, leur appétence et leur consommation de savoir en digital learning est énorme. On le voit sur les populations qui sont faiblement qualifiées, on le voit aussi à l'international. Sur des pays, je pense par exemple des pays en Afrique, des pays, des anciens pays du bloc socialiste, ou certains pays nazis, on a des taux d'utilisation, on mesure évidemment, puisqu'on mesure tout, qui tournent autour de 300-400%. C'est-à-dire qu'en fait, soit les gens leur refont 3 ou 4 fois, soit ils en font profiter toute leur famille. Et on trouve ça super, parce qu'en fait, une partie du digital, c'est education for a better life, c'est un peu notre motto, mais c'est vraiment ça. Donc en fait, effectivement, c'est d'ouvrir à tous l'opportunité de se développer, d'avoir une meilleure vie qu'on n'a pas dans les systèmes classiques, comme par exemple venir dans un endroit comme ça, qui est impressionnant pour beaucoup de gens. Et pour répondre à ta question, Carolina, aujourd'hui, la plupart des plateformes de e-learning répondent à des normes handicap, que ce soit des gens malvoyants ou malentendants, ou ce qu'on appelle les DIS, les dyslexiques, les dysocrates, etc. etc. Merci. Patrick, je vais m'adresser à toi par rapport à une des questions, et peut-être dans le cadre de toutes ces entreprises que tu as l'occasion d'observer pour le palmarès que vous faites tous les ans. Il y a une question qui pose sur la motivation des salariés. En quoi la digitalisation de l'entreprise est-elle un nouvel outil pour motiver les salariés? Et si ça te paraît être le cas, comment le faire? Alors, je crois que c'est une question pour le moins vaste. Je reviendrai par exemple à ce qui était abordé en préambule sur les nouveaux modes de travail et d'organisation, où là on a un impact direct lié à la digitalisation. Moi, ça fait 10 ans que je suis chez Colpesco. J'ai constaté beaucoup de choses qui étaient émergentes il y a quelques années, qui ont accéléré. Par exemple, qu'est-ce qui aujourd'hui va impacter l'organisation
c'est par exemple l'aménagement des espaces de travail. On a eu une évolution ultra rapide et très clairement, les employés, enfin les collaborateurs d'une entreprise, les collaboratrices, hein, ne veulent plus travailler dans des immenses open space. Ils ne veulent pas travailler non plus dans une entreprise où je suis allé l'autre jour, où c'était absolument impressionnant, il y avait une enfilade de bureaux à droite à gauche, et j'ai demandé la largeur du couloir. C'était 70 cm. Donc il ne faut quand même pas être très costaud pour pouvoir se croiser à deux. La deuxième chose aussi, dans l'évolution fondamentale, c'est que par exemple, c'est la fin aujourd'hui, ça semble peut-être un peu provocateur de dire ça, c'est la fin des horaires de travail. On arrive à 9h, etc. C'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui vont arriver plus tôt parce que ce sont des lève-tôt, parce qu'ils sont capables de produire tôt et qui partiront plus tard. Et vous avez à l'inverse des gens qui vont arriver plus tard. On a aussi la digitalisation impacte énormément l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On ne veut pas passer que son temps au travail et on veut avoir des espaces de vie en dehors de son boulot. Par exemple, quand j'ai évoqué la multinationale où j'ai travaillé, à cette époque-là, quand j'ai été père de famille, on avait le droit, je crois, à deux jours, un jour ou deux jours de paternité. Deux, c'est ça, hein. On a dû partager la même expérience. Aujourd'hui, je crois que c'est 11 jours de paternité. Tous mes collaborateurs qui ont été pères cette année, je pense à Ridara, je pense à Vincent, qui ont été pères récemment, la première chose qu'ils ont fait, c'est de prendre leurs 11 jours. Bon. Là aussi, c'est pas que c'est un impact directement lié à l'organisation du travail, mais finalement, ça n'a pas impacté leur activité à eux, parce que finalement, ils ont quand même été au rendez-vous de ce qu'ils devaient produire. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont avant-gardistes dans l'aménagement du travail, dans les missions qui sont confiées à leurs collaboratrices et à leurs collaborateurs. Et pour moi, c'est un impact positif de la digitalisation. Merci. Alors là, je vais adresser une question pour toi, Walter. Je pense que tu vas pouvoir nous aider à avoir plus clair là-dessus. La question de la salle, c'est comment développer et conserver la réflexivité et l'esprit critique dans un univers technologique qui crée de la dépendance. Hein, donc il y a déjà un petit parti pris, hein, la technologie crée de la dépendance, et comment développer et conserver la réflexivité et l'esprit critique. Oui, donc je veux d'abord être en désaccord avec cette idée qu'on est dépendant de la technologie. Ça, de nouveau, c'est un choix. Je crois que si on arrive à utiliser la technologie pour ce que ça pourrait faire, ce que ça pourrait nous offrir, ce qui n'était pas disponible il y a 10 ans, 15 ans, ou encore plus long avant, ça permettra peut-être enfin beaucoup plus de vision, d'information, même d'analyse qui permettra d'être plus critique que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, récemment, peut-être ça a déjà changé aujourd'hui, mais avant, on reçoit un petit dossier à étudier et comment se peut être critique si vous n'avez pas les informations, vous n'avez pas les cross-références, vous n'avez pas... Maintenant, vous avez tout. Donc, moi, je dirais que si on utilise, si on ne devient pas dépendant, hein, je répète, c'est un choix, si on ne devient pas dépendant de la technologie, cette technologie pourrait te donner de l'information beaucoup plus riche et intégrée et permettra beaucoup plus, un meilleur point de départ, si vous voulez, pour être critique. Ceci dit, il faut toujours, et c'était toujours le cas, il faut toujours un peu apprendre à raisonner critique, quoi. Je dis, il ne faut surtout pas suivre la technologie aveuglément, hein. Ça j'ai déjà dit quelques fois, on n'est pas victime de la technologie. Je ne dis pas qu'on le fait bien maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on change, c'est pas tout ça, mais on pourrait utiliser la technologie pour du bien. Et là, je vais m'adresser à toi, Marie, parce qu'il y a deux questions qui concernent le lien entre digitalisation et syndicat. Donc, que disent les syndicats de la digitalisation, chez toi, par exemple, à Gemalto? Et une question plus spécifique, en quoi la digitalisation transforme-t-elle éventuellement la négociation entre les syndicats et les DRH? D'accord. Alors, moi, j'ai une double casquette, hein, parce que je suis aussi syndicaliste. Au sein de l'entreprise, je représente donc le syndicat FO,
Et à ce titre, je suis présidente du comité sectoriel TIC chez Industrial Europe, qui a pour objectif de renforcer l'industrie en Europe. Donc, c'est une, j'ai la double casquette. Donc, je vais essayer de vous répondre de façon non schizophrénique. Donc, la plupart des syndicats, en fait, savent qu'aujourd'hui, notamment sur la partie industrielle de l'entreprise, de l'Europe, on a un tissu industriel qui est trop faible et qu'il faut absolument trouver des moyens de réindustrialiser. Et que l'industrie du futur, le manufacturing 4.0, avec toutes les nouvelles technologies, hein, sont un moyen de faire revenir l'industrie en Europe. Et si on fait revenir cette industrie en Europe, cela aussi a un impact directement sur l'emploi dans les services, parce que ça permet aussi de les retenir plus proche de nous, et ça permet de mieux équilibrer ça. Donc en fait, d'un point de vue global, au niveau européen, on a une vision qui est très progressiste, où on veut un cadre qui soit clair, qui sauvegarde en fait les intérêts des salariés, mais par contre, c'est un mal par lequel on est obligé de passer. Après, dans la négociation en entreprise, ce qui est un point complètement différent, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui sont extrêmement délicates, parce qu'aujourd'hui, on voit dans certaines entreprises, ce n'est pas le cas chez nous, mais des trackers, c'est-à-dire qu'on traque en temps réel où se situe un opérateur, où se situe un technicien, et les temps de pause qu'il prend, et derrière, et bien en fait, on peut lui faire plus facilement des remontrances, et ça, c'est des choses qui pour nous sont assez inacceptables. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, Anne-Marie, et cette question est ouverte à vous tous, on voit bien les avantages, les opportunités de la digitalisation pour l'entreprise, et à plusieurs reprises, vous avez signalé les risques qu'il y a pour l'individu, pour le salarié. Et il y a une question dans ce sens qui dit, est-ce que finalement un salarié a-t-il encore le choix de ne pas utiliser les outils du digital? Est-ce qu'il a? Mais pour moi, non, il n'a pas le choix. Si l'entreprise en fait met à disposition des outils digitaux, on est malheureusement ou heureusement obligé de les utiliser. Hein. Après, ça va être effectivement dans le dosage. Hein. Alors, je suis un petit peu en désaccord avec ce que disait mon voisin tout à l'heure. C'est l'esprit peut-être de contradiction, mais je pense qu'effectivement, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Maintenant, par rapport à l'esprit critique, je pense qu'il y a un mythe, notamment chez les jeunes, que les jeunes utilisent, sont nés effectivement avec les digitalisations, et se servent très bien des outils. Et en fait, nous, dans la pratique que l'on a, on se rend compte qu'ils n'ont pas le recul nécessaire, qu'ils n'ont pas l'esprit critique pour bien les utiliser. Et en fait, ils se font très facilement envahir sans voir l'objectif qu'ils doivent servir avec ces outils-là. Alors que des personnes plus âgées, qui vont avoir effectivement plus de mal à utiliser au départ les outils digitaux, ils y arrivent très facilement après, mais par contre, ne vont pas perdre de vue qu'ils le font pour un but précis, et quand le but est atteint, ils arrêtent. Mmh. Alors là je veux poser une autre question à chacun d'entre vous, celui qui se sent de la répondre, c'est quel impact environnemental de la digitalisation? Frédéric. Moi, je vais bien répondre à ça, parce que on a quelques clients pour qui l'impact environnemental est quelque chose de très important. Et dans leur stratégie de formation, ils mesurent effectivement le taux d'accès à la formation, le taux d'amélioration des connaissances des employés, etc. Mais ils mesurent aussi la réduction de CO2 dépensée par le fait que les gens vont moins en formation présentielle. Alors ça, c'est vrai, dès que vous avez un gros réseau de distribution, que vous êtes une société comme Conforama ou comme Jacques Dessange, dans lequel vous avez des centaines de magasins dans la France entière,
Eh bien, si vous digitalisez 20, 30 ou 50% de votre plan de formation, ça fait des milliers de kilomètres économisés. Et certaines de ces sociétés ont converti, converti le nouveau plan de formation en réduction de l'impact carbone, en réduction du CO2 dépensé par les économies de voyage, de déplacement en voiture, en train, en avion, que ne font plus les gens. Et ils l'affichent avec beaucoup de fierté dans leur rapport annuel. Anne-Marie. Oui, si je peux compléter, parce qu'il y a, il y a l'aspect formation qui est très important. Dans le milieu industriel, il y a aussi... Nous, on a vraiment gagné énormément avec la digitalisation, hein, parce qu'on limite tous les frais de déplacement. Lorsqu'on travaille, on fait de la collaboration à distance maintenant avec des outils donc collaboratifs. On va réparer les machines à distance. Et donc, on n'a plus l'expertise, par exemple, sur les réparations machines se trouvent généralement en France. Et on couvre 50 sites dans le monde. Et donc, on a un impact direct sur l'économie parce qu'on n'a plus ces frais de... On minimise, en fait, ces frais de déplacement. D'ailleurs, Frédéric, je reviens à toi. Une question qui me paraît te concerner. Est-ce que la digitalisation des connaissances a-t-elle vraiment permis de démocratiser la formation ? Je crois que oui. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Je voudrais juste vous citer un exemple qui me vient en tête quand je lis cette question. Bon, on a une société française, mais on a été racheté il y a 3 ans par un groupe américain. Donc, les Américains sont assez dans le contrôle. Donc tous les mois, je vais aux États-Unis pour rencontrer mes patrons et leur faire un reporting de tout ce qui s'est passé dans l'entreprise, etc. Et à chaque fois, je vais dans un immeuble à New York où on a un appartement qui est réservé parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font contrôler tous les mois. Et donc on partage cet appartement. Et cet appartement, bah, vous savez, souvent à New York, vous avez des doorman, vous avez des gens qui gèrent l'immeuble et tout. Ils sont souvent des gens très sympas. Et donc il y a un doorman qui s'appelle Barry et qui, il y a quelques mois, m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous venez ?» Et souvent, je lui ai dit « Ben voilà, je travaille dans le digital, dans le e-learning, sur tout ce qui est développement personnel et management. » Elle m'a dit « Ah, ça m'intéresse, est-ce que je pourrais regarder c'est quoi, machin, tout ça ?» Je lui ai dit « Ok, je vais ouvrir un accès. » Et le mois d'après, je reviens à New York et je le vois et je lui dis « Vous avez regardé ?» Il me dit « Oui, j'ai regardé. » Et je lui dis « Vous avez regardé quoi ?» Il me dit « J'ai tout regardé. » Alors pour ceux qui connaissent, il y a 450 sessions de 30 minutes et 700 vidéos ou 200 vidéos, je ne sais plus, de 3-4 minutes. Il me dit « J'ai tout regardé. » Il me dit « J'ai du temps. Hein. » et moi j'ai vérifié, il avait tout, et effectivement il avait tout regardé. Mais ce qu'il m'a dit à la fin, c'est aussi pour ça qu'on se bat tous les jours, c'est qu'il m'a dit, ça m'a redonné confiance en moi et j'ai décidé d'aller me réinscrire à l'université. Donc je pense que oui, effectivement, le digital, ça permet, dans une certaine mesure, et sur des individus motivés, de démocratiser l'accès à la formation et finalement à un mieux-être. Patrick, pourquoi a-t-on besoin d'un cadre légal pour la digitalisation? Est-ce que finalement les chefs d'entreprise manquent-ils d'éthique? Est-ce que les chefs... Alors, moi je vais parler des chefs d'entreprise, d'entreprises où il fait bon travail. Donc, Carolina l'avait évoqué, donc le fait souvent tous les ans, on publie un palmarès au mois de mars d'entreprises où il fait bon travailler de 50 à l'infini en nombre de salariés. Et on a publié avant-hier, pour la deuxième fois, le palmarès des entreprises de moins de 50 salariés. Et c'était intéressant parce qu'il y avait d'ailleurs une entreprise pharmaceutique de Marseille qui était dans le palmarès. Au niveau de l'éthique, on pose une question chez Mme Pessoa,
joueurs, à l'ensemble des salariés. Donc l'année dernière, c'était des centaines de milliers de salariés, et encore cette année que l'on a interrogé. Et cette question est très simple, c'est la direction gère l'entreprise de façon honnête et en respectant des règles éthiques. Donc c'est quelle est la perception des salariés par rapport à l'honnêteté, comportement au quotidien de leurs dirigeants, et de respecter des règles éthiques, c'est-à-dire qu'ils vont être en liaison à la fois avec leurs aspirations, des salariés, mais aussi avec la culture de l'entreprise. À cette question, on a 90% de réponses qui sont positives dans les entreprises où j'ai fait mon travail. Donc oui, aujourd'hui, la prise en compte de comportements éthiques, de règles éthiques dans une entreprise, et qui n'est pas liée simplement aux dirigeants, c'est aussi le fonctionnement de l'entreprise, c'est aussi l'engagement sociétal de l'entreprise, sont des choses qui vont être prises en compte de façon très importante. Alors, on était un peu tous les trois en train de sourire quand Frédéric s'exprimait sur le reporting mensuel qui fait que le patron d'une entité française, tous les mois, à l'ère de la digitalisation, va à New York. Moi, je suis l'actionnaire principal de Great Place to Work en France. J'ai deux associés. J'ai un associé chilien et j'ai un associé brésilien. Bon, ils viennent une fois par an en France, mais pas simplement pour le plaisir de faire du reporting, ils viennent aussi pour le plaisir de venir en France. Et finalement, quand on a des meetings avec les deux coactionnaires, on utilise Skype et d'autres moyens pour faire en sorte de réduire fortement nos déplacements. Chez Great Place to Work, on est présent dans une soixantaine de pays, donc les managers des pays se réunissent régulièrement, mais outre-Atlantique, on y va une fois par an et ça nous suffit largement. Donc c'est peut-être un des paradoxes qu'on n'a pas mis en avant sur la digitalisation, c'est comment aujourd'hui, en termes de reporting, on va opérer. Et moi, ce que je constate au quotidien, c'est que finalement, quand on n'est pas dans des grandes entreprises cotées, où tous les 8 jours, on est obligé de rendre compte du pourquoi et du comment et du ceci et du cela, c'est que dans les grandes entreprises à caractère familial, donc je pourrais citer des entreprises comme Seb, je pourrais citer des entreprises comme Leroy Merlin ou comme Decathlon, bah finalement, même à l'ère de la digitalisation, on donne du temps au temps. Et ça, c'est une ressource quand même extrêmement importante quand on dirige une entreprise. Merci. Une question pour toi, Walter, qui concerne directement The Cap. Quel serait le plus grand succès pour le projet The Cap? Quel serait le plus grand succès pour The Cap? Ben, je crois que si on arrive à montrer qu'on peut effectivement transformer les mindsets afin de préparer les cadres, des élus, tout le monde, à l'utilisation plus positive ou à une utilisation qui contribue à un meilleur monde. Je suis en train de citer notre mission, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu. Mais je crois que c'est vraiment texto ce qui serait le grand succès. Puisque, je l'ai dit plusieurs fois, c'est fantastique, c'est phénoménal, c'est un peu nous, les cadres, soi-disant, qui ne comprennent pas nécessairement comment l'utiliser. Si je peux utiliser les mots de Fred, il était très excité quand il disait ça toujours, il dit « la terre, tu peux les expliquer que finalement ils ne comprennent pas qu'il y a une révolution digitale qui va prendre place et qu'il y a des industries entières qui vont disparaître. » Bon, peut-être oui, peut-être non, mais c'est certain qu'il y a des boîtes entières, des industries entières qui sont bouleversées. Et le but de The Camp, c'est notamment créer cet écosystème, cette approche, cet endroit où les gens peuvent se rencontrer, peuvent prendre le temps, peuvent laisser le temps au temps en effet, entre eux, discuter de ça, c'est quoi la technologie, c'est quoi l'avantage, c'est quoi les dangers, tu vois, et enfin de leur transformation quand même, c'est qu'ils rentrent de nouveau, ceux qui rentrent ou qui continuent à rentrer dans la vie économique avec une vision beaucoup plus riche, beaucoup plus positive. Pour moi, c'est ça, ça sera pour moi le succès et j'espère qu'on verra ça
plus de 3 ans, pas dans 25 ans. Hein. J'espère qu'on voit ça très rapidement. Walter faisait référence à Fred, donc qui, vous le savez pour la plupart, mais pour ceux qui l'auraient oublié, Frédéric Chevalier donc, était le concepteur, le fondateur de The Camp, et malheureusement il nous a quittés en juillet de cette année suite à un accident de moto. Alors, une question pour celui qui l'aime bien. Certains salariés n'osent pas utiliser les réseaux sociaux d'entreprise de crainte d'être jugés par leur manager. Point suspensif. Patrick a très envie d'y répondre. Alors, il y a de plus en plus de réseaux d'entreprises. On a parlé de Gamer tout à l'heure, mais il y a beaucoup de réseaux d'entreprises qui se sont développés. Par rapport aux réseaux qu'on qualifierait de plus personnels. Je vous rassure, dans beaucoup d'entreprises où je vais, il y en a qui confondent souvent allègrement dans leur temps de travail la capacité à aller sur le réseau professionnel ou sur le réseau personnel, ça ne les empêche pas de tweeter, d'aller sur Facebook, etc. Finalement, le réseau personnel, et parce qu'on en a un chez Webplus Work, j'y vois beaucoup d'intérêt. C'est la possibilité de pouvoir exprimer des points de vue. Et souvent, les gens s'autocontrôlent finalement dans ce que j'ai pu voir dans beaucoup d'entreprises. C'est pas un déversoir anonyme de critiques systématiques. C'est plutôt l'inverse. Dans beaucoup de réseaux d'entreprises, il y a des gens qui vont pousser des idées. Ils vont finalement rebondir avec d'autres. Parce qu'on est quand même à l'ère du co avec la digitalisation. On a des communautés qui se créent dans l'entreprise, donc qui vont finalement faire réfléchir ensemble des gens qui vont partager des idées communes et qui n'auraient pas eu l'occasion de les pousser. Donc on voit finalement, avec des réseaux internes, apparaître des idées qui vont être intéressantes et qui vont être finalement travaillées et poussées. Donc moi j'y suis plutôt positif. Je crois qu'il n'y a pas plus d'intrusion ou de danger pour la vie privée. Je suis un peu de l'avis de Walter sur cette idée progressiste et positive de la digitalisation. Et je pense qu'il n'y a pas plus de danger pour la vie privée ou les risques professionnels du collaborateur quand c'est bien employé, les réseaux sociaux d'entreprise. J'y vois plutôt même un aspect positif. Je vous invite pour les enseignants-chercheurs que vous êtes, à télécharger gratuitement un ouvrage qui avait été téléchargé à 600 000 exemplaires, dont soit le double des ventes d'un plus grand cours. Et c'est une expérience intéressante, c'est une entreprise qui s'appelle Davidson Consulting, qui a été créée il y a 10 ans, numéro 1 de Great Place Work en France depuis 4 ans et en Europe. Et ils ont fait, toujours dans le domaine du co, un ouvrage collaboratif qui s'appelle le Davidson Code. Et là, ça va vous donner beaucoup de clés parce que ce sont des grands experts des transformations digitales et vous comprendrez aussi comment, avec le Davidson Code, ça peut avoir un impact sociétal extrêmement important dans leur propre entreprise qui, en 10 ans, est passée de 0 à 2000 salariés. Merci pour cette source et cette ressource, Patrick. Gratuite, hein, on insiste. Et d'ailleurs, tu as parlé des enseignants-chercheurs. Il y a une question qui, je me permets de dire, qui nous concerne. Quel avenir, à vos yeux, pour les enseignants et les universités avec l'avènement des MOOC et en général la digitalisation? Alors, je vais répondre rapidement. Essentiel. Essentiel. Beaucoup d'entreprises, et Great Place to Work aussi, nous, on veut renforcer, développer des liens avec la communauté des enseignants-chercheurs. Souvent, et je l'ai vu ce matin au travers des études qui avaient été menées, on voit bien que les difficultés qui sont, auxquelles doivent faire face les enseignants-chercheurs, c'est d'avoir du terrain, c'est d'avoir des entreprises qui leur ouvrent leurs portes. Il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez, et on peut, à cet égard, vous aider. Et donc, le lien entre les recherches académiques et l'entreprise seront pour moi de plus en plus importants. Parce que vous avez, vous, une vision, je dirais, intellectuelle et académique que nous, on n'a pas forcément. Et nous, on a de la matière que vous n'avez pas forcément. Donc, les deux
ensemble, ça doit pouvoir faire des choses intéressantes. Je pense qu'Anne-Marie partage mon point de vue. Oui, complètement. En fait, moi, je, donc, avec ma casquette de directrice d'accompagnement au changement, hein, je me plonge dans des écrits, des publications que vous faites, hein, et j'essaye de voir comment je peux les appliquer en entreprise. Hein. Si ce n'est que, et je le fais parce que je souhaite que notre entreprise reste leader, et donc il faut avancer plus vite que nos concurrents, et donc on teste des tas de choses. On teste, et malheureusement, parce que par manque de temps, par fainéantise parfois, on ne fait pas le retour vers l'enseignant-chercheur. Alors que ça serait super intéressant de dire, ben voilà, on a testé tel truc, on s'est rendu compte que voilà, tel concept, ça fonctionne comme ça. Et il y a un des concepts, en fait, moi, qui m'a beaucoup fait rire, c'est l'entreprise libérée. Hein. Et j'en discutais avec deux jeunes, donc... qui travaillait au Bon Coin et qui en fait me disait mais en fait on nous avait promis un truc avec un management complètement révolutionnaire avec de la digitalisation et alors ils étaient super contents des outils qu'ils avaient en termes de digitalisation mais en termes de management ils avaient encore un manager, ils avaient encore des objectifs. Bah oui, mais c'est quand même le rôle de l'entreprise d'avoir de la valeur et donc d'apporter de la valeur. Et donc, on est obligé quand même d'avoir des objectifs, de faire du contrôle. Et si on n'explique pas ça, si vous n'expliquez pas ça dans vos enseignements, en fait, les étudiants vont passer à côté de choses. C'est un petit peu dommage. Mais l'enseignement, tout au long de la vie, est quelque chose de très important. Et donc, vos recherches nous font énormément avancer. Et c'est vrai que c'est important. Ça serait important de trouver des fonds pour se rapprocher encore. Oui. Alors, pas sur le volet recherche, mais sur le côté enseignant. Donc, quel est l'avenir des enseignants à l'heure des MOOC et tout ça? Ben, nous, ce qu'on constate dans la soixantaine d'écoles qu'on accompagne et les centaines de profs qu'on accompagne, c'est que le rôle du prof, c'est le rôle du prof qui change. Mais il y a toujours un prof, sauf qu'il passe d'un rôle de sachant à un rôle plus, on va dire, de facilitateur ou de chef d'orchestre. Qui va orchestrer des tas de ressources qu'il n'avait pas auparavant pour construire des cours qui s'adaptent plus, on va dire, aux modalités d'apprentissage des nouvelles générations. Si on prend un exemple très simple, si on prend la classe inversée, les leçons à la maison et on fait les exercices à l'école, ça marche très très bien. Mais en termes de représentation pour l'enseignant, même, de son identité, ça change beaucoup de choses. Et les MOOC, c'est la même chose. Merci beaucoup. Alors, est-ce que finalement la digitalisation n'est-elle pas d'abord et avant tout un état d'esprit pour travailler autrement? Walter, peut-être? Oui, c'est tout ce que je peux dire, c'est un état d'esprit, volonté, c'est voir les possibilités, aussi voir les dangers potentiels, mais moi, je me répète, mais je crois qu'il y a un potentiel fou dedans, dans l'éducation, dans l'entreprise, où on veut, et il faut s'y mettre, il faut vouloir changer, il faut vouloir l'utiliser pour ce que c'est. Au lieu d'être trop critique en disant « oui, on n'a pas connu, moi », je crois que je suis le plus vieux ici, j'ai appris à programmer en punch cards. La plupart de vous ne connaissez pas, mais ça existait. Donc attends, c'est une volonté de faire tous ces changements qu'on a fait durant les 40 ans. Et maintenant, moi je suis ravi du potentiel que ces technologies ont. Je suis critique sur les dangers potentiels, mais oui, c'est une volonté. Et d'ailleurs, ouais, par rapport à ça... Pour compléter par rapport à ce que dit Walter, ça pose aussi deux questions relatives au management et aux dirigeants des entreprises. Ça veut dire qu'on est passé d'un mode qui était extrêmement pyramidal à un mode qui doit forcément être beaucoup plus collaboratif et coopératif. Alors, on a évoqué très rapidement l'entreprise libérée, certes, mais en ce qui me concerne, j'ai pas attendu qu'on en parle il y a quelques années pour déjà, il y a 15 ans,
aller voir Jean-François Zobrist à Favy, chez Favy à côté d'Amiens. Et donc, finalement, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. À un moment, vous avez des entreprises qui ont été confrontées à un tel millefeuille de hiérarchie qu'ils se sont rendus compte qu'en enlevant quelques pièces du puzzle, ça fonctionnait beaucoup plus. La digitalisation a besoin de libéralisation et de libérer les énergies ou les entreprises parce que le mode de fonctionnement beaucoup plus coopératif et communicatif, comme je disais, fait en sorte que les gens les employés vont être beaucoup plus acteurs finalement de leur propre job et de leur propre changement. Donc on avance et par rapport aux dirigeantes, aux dirigeants et aux managers, ça veut dire qu'ils doivent être capables d'écouter, d'entendre beaucoup plus de choses et aussi d'être capables de plus et mieux se remettre en cause. D'accord. Cela dit, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ces risques dont vous parlez. Il y a deux questions qui sont liées. En quoi la digitalisation peut-elle finalement aussi fragiliser l'entreprise? Le hacking est un exemple, par exemple. Les coupures de courant, tout bêtement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? La cybersécurité, comment se prémunir des rançons, des vols d'informations, etc. Alors, je vais peut-être d'abord compléter un aspect. En fait, la digitalisation peut être un risque, mais pas obligatoirement là où on pense. C'est-à-dire que, avant, le savoir, celui qui a le savoir, avait le pouvoir. Et il y a un certain nombre de strates dans une entreprise qui voient la digitalisation comme un renforcement de certaines strates qui sont plutôt inférieures et ça leur fait peur. Et donc, ce ne sont pas obligatoirement les gens qui sont le plus en bas de la hiérarchie qui vont faire freiner cette digitalisation, mais au contraire, le middle management qui va essayer de bloquer, de ralentir ce processus-là. Donc déjà, il y a un risque si on n'embarque pas ces populations-là. Et ensuite, il y a effectivement les risques, comme les millennials, d'une façon générale, et nous, on le vit très fort dans notre entreprise, on fait de la sécurité, on travaille avec des gouvernements, on travaille avec des banques. Et donc, la sécurité, la confidentialité des données est quelque chose qui est clé. Or, les millennials, ben, en fait, ils n'ont plus la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Et ils vont privilégier, en fait, la relation du moment. Et s'ils ont une conversation intéressante avec un collègue qui est à l'autre bout de la Terre, ils ne vont pas valider qu'ils ne peuvent pas transmettre certaines informations, ils risquent de passer des informations clés pour l'entreprise. Ils risquent de donner des informations sur des brevets, ça s'est déjà passé. Airbus Helico a eu un gros souci à cause de ça. Nous, on a eu, on peut le dire aussi, des craintes par rapport à ça. Et donc, en fait, la préparation, la formation, le recrutement des jeunes est vraiment clé parce qu'autrement, on risque de se mettre en danger. Après, par rapport au hacking, on peut toujours être hacké, on le sera toujours. Mais bon, la Banque de France s'est toujours fait attaquer. Bon, après, ça dépend le temps que l'on met pour reconnaître l'attaque et comment on se prémunit. Donc ça, c'est un travail intellectuel. Nos équipes sécurité savent le faire. Est-ce que le e-learning renforce-t-il l'isolement des travailleurs, des salariés? Alors la réponse est oui. Si vous êtes tout seul devant votre ordinateur à apprendre des choses et que vous ne les partagez pas et que vous ne les mettez pas en pratique, vous êtes tout seul, vous êtes isolé. Et c'est pour ça que c'est du learning comme on en faisait il y a quelques années, quand on était très centré sur la technologie, on trouvait que c'était fantastique d'avoir tout un tas de savoirs disponibles sur son ordinateur. Aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de dire comment je peux plutôt transformer le e-learning en une expérience d'apprentissage où je vais alterner tout un tas d'activités pédagogiques différentes, où effectivement, je vais apprendre avec des choses en ligne, mais après, je vais produire du savoir, je vais partager, faire des exercices pratiques, je vais produire quelque chose de collectif, je vais répondre à un sondage, je vais échanger avec mon prof à distance, voilà. Donc, le e-learning
où l'apprentissage de savoir à distance n'est pas isolant si on ne fait pas du e-learning, mais ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui du social learning. Donc du e-learning au social learning. Et donc on n'a plus de questions, on va commencer tout doucement à conclure. Il reste une grande question. Est-ce que la digitalisation, la flexibilisation, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle mène à de l'externalisation, à l'auto-entrepreneuriat? Pour moi, il n'y a pas de fatalité. On l'a dit, il y a des voies aujourd'hui de la digitalisation qui ne sont pas encore ouvertes parce que finalement, avec toutes ces évolutions, ça crée aussi des nouveaux métiers. Ça crée des nouveaux jobs et je pense qu'il est un peu utopique aujourd'hui de penser que la machine fera tout à la place de l'homme. On l'a dit en préambule, je ne pense pas que demain la machine dominera l'homme. Et donc on a des voies qui vont s'ouvrir devant nous qu'on ne connaît pas forcément. Parce que si on se met il y a 10 ans ou 15 ans, le smartphone vient d'avoir 10 ans, Facebook doit avoir 10 ans ou un peu plus. Donc si celles ou ceux qui sont dans la salle peuvent nous dire comment va être le monde de 2030, ce sont soit des visionnaires, soit des gens qui aiment prendre des risques pour présenter leur point de vue. Non, moi je crois qu'on va avoir des nouvelles opportunités qui vont se créer, finalement, ces nouvelles opportunités, elles seront importantes à condition qu'en termes de formation, en termes d'acceptation, on soit prêt à les recevoir. Donc voilà. Je voulais ajouter juste une petite chose. Moi, je vois que ces auto-entrepreneurs ont une tendance très forte de coopérer entre eux. Et que donc, si on parle à un, on parle à 25 derrière. C'est quelque chose que j'ai observé vraiment. On travaille avec une personne dans ce qui est notre virtual learning, si tu veux, notre learning by doing. Derrière, il y a tout un réseau. S'ils ont besoin de quelqu'un, ils l'appellent, etc. Donc on ne parle jamais. Beaucoup moins, je trouve maintenant qu'il y a 20 ans, on parle jamais à une personne, on parle vraiment à des réseaux, seulement ça s'organise différemment, ça s'auto-organise. Donc il n'y a plus quelqu'un qui organise tout ça, mais ce n'est pas de l'isolation pour moi. Oui, tout à l'heure on disait le digital c'est la démocratisation de la formation, mais le digital c'est aussi la démocratisation du business. Parce que tous ces auto-entrepreneurs s'organisent entre eux dans des espaces aussi de coworking, chez des incubateurs. Et tout ça, c'était très compliqué il y a encore 5-6 ans. Et aujourd'hui, n'importe quel jeune qui a un projet, qui est un peu entrepreneur, qui maîtrise quelques outils du digitaux, peut rejoindre un incubateur, peut travailler dans ces environnements et a la possibilité de développer son entreprise. À cet égard, on peut saluer quand même l'initiative qui a été prise par Zabiniel de Free avec les espaces Fressiné, enfin les anciennes de la Fressiné à Paris, qui est devenu, même les Américains viennent voir, et en termes d'incubateur, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et là, on a des auto-entrepreneurs qui finalement vont pouvoir pousser, faire naître des projets. Oui, en fait, la digitalisation, c'est un facteur multiplicateur de l'innovation. Et que cela soit à l'intérieur de l'entreprise, lorsque les entreprises veulent maîtriser cet aspect-là, ou en dehors de l'entreprise. Et ce n'est pas le fait qu'il y ait des personnes qui le fassent de façon individuelle qui pose problème. C'est vraiment de voir la finalité, qu'est-ce que cela va permettre de faire. Et avec ces mots-là, ça nous permet de conclure sur ces dernières questions qui étaient posées, qui étaient presque des commentaires. Quelle création collective de valeur avec une société d'entrepreneurs, j'y avais répondu, et en effet, la digitalisation est-elle, oui ou non, un état d'esprit? Je vais juste rajouter vraiment en conclusion qu'à l'IAE, nous dirigeons, et je dirige personnellement le programme ITP, International Teachers Program, et puis en lien avec une des interventions que vous avez faites, qui est un programme pour des profs confirmés, dans lequel on apprend, on développe le fait que nous ne sommes plus des enseignants, mais nous sommes des gestionnaires de situations d'apprentissage, et que tous nos jeunes à l'heure actuelle savent déjà énormément des choses sur les cours auxquels ils vont assister. Et puis c'est en lien avec ce que vous avez pu faire hier avec Jean-Philippe Dombreville, par exemple, qui est une illustration
de comment un chef d'orchestre en sait parfois autant, mais parfois moins, que ses propres musiciens, d'accord, et qu'il s'agit de donner du sens et des différents axes, l'axe transverse, l'axe vertical, hein, et l'axe horizontal, l'axe vertical et l'axe vers le haut, et qui fait la différence entre un prof qui se préoccupe de la classe, de ses élèves, et un prof qui est centré sur sa connaissance, donc sur lui-même. Et c'est pour ça que je vous remercie tous d'avoir posé vos questions. Ça a été une autre façon de nous tourner vers vous, la salle. Donc Delphine, merci d'avoir accueilli toutes les questions et d'avoir partagé de façon si efficace. Frédéric, Patrick, Anne-Marie et Walter, merci de votre présence et de votre contribution.